Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce énième reportage de Alternative Plus. Et là, nous sommes du côté de Fort Lauderdale pour nous garder qui vient ça va le passer pour l'équipe. L'équipe qui a fait un album Willis Party. Je nous relève 20 signatures là. Je suis un grand employé thème 20 signatures là, toujours le concept moderne, pas de CD, pas de bail pour signer. Mais nous conservons nous toujours. Donc, en tout cas, son soirée qu'a faite autour de la sortie de dernier album équipe de Chaba, de Steve K et de Di Perfect. Une soirée qu'a faite dans le contexte qui vient en pile rounou, en pile palais, en pile. Vous savez qu'avec cette nouvelle façon de voir les choses, qu'on y a deux soirées qu'a faites dans à peu près même zone, il crée conflit, il crée palais en pile. Donc deux côtés, du côté de Miami, la M2 gain New Look en vitesse grand V qui a multiplié succès depuis début année 2024 là. Et puis la formation d'équipe qui pratiquement c'est une jeune formation musicale, même les que les handle l'expérimenté Chaba. Donc c'est un coup son défi pour le VHR là. L'on espace quand même de assez grande capacité. Je parle d'un espace qui a une capacité pour le prendre plus que 1000 moun, on va pouvoir vérifier ça tout à l'heure. Donc, équipe a joué à Soya. En ce qui me concerne, je vais trouver que son big deal pour deux gros jazz a joué même joie, la même ville. Je vais trouver son problème du tout. Mais, j'aimerais qu'être la virée semaine ça, son drame, son balai en pile. Donc, d'un côté, qui vient ça va le passer pour M2, je suppose, je vais avoir une nouvelle là bientôt. Malheureusement, je ne peux pas capter les deux côtés ensemble. De l'autre côté, équipe là, la Fort Lauderdale. New York à Miami, équipe à Fort Lauderdale. En pile motivation, en pile mobilisation, en pile élan de solidarité, tout. Nous sommes capables de dire pour l'équipe, si nous ne basons pas la quantité d'artistes qui font promotion activité ça. Et puis, au menu qui paraît assez intéressant, Beijing Cadillac, équipe avec d'autres artistes invités. Pipo Saint-Louis, pour Alternatives sont complexes, nous allons voir comment cela se passe. Asseyez-vous confortablement. Et puis gardez, vous parlez de tout détail sur la soirée équipe là, du début jusqu'à la fin. Le fil des événements de cette soirée dans ce reportage. Pipo Saint-Louis, on se retrouve tout à l'heure. Musicien, je suis de monde qui me remet parce que y a de monde qui me grandit avec l'école ensemble avec un mascotte. Et quand Doudou, je suis dans le groupe évangélique avec eux, je suis supporté, je suis prêt. Je pense que y a une belle équipe, je pense qu'il y a un jeu, il y a un fait que le monde est content. Et son plaisir, à ce moment-là, je pense qu'il nous parle d'une belle fête. Et Beijing Cadillac, à ce moment-là, l'album l'a envelé, ça l'a dit, mais ils font un bel coup. Pas de menti dans ça, et puis nous allons faire une belle fête à ce là. Oh,
2h du matin. Et comme vous avez pu le constater, il y a encore des gens qui arrivent à peine. J'ai du mal à comprendre le fonctionnement des Haïtiens en Floride. Et on va l'annoncer de jazz. Et puis quelqu'un qui apparaît à 1h30, 2h du matin, ça me dépasse. Ce qui est certain, c'est une belle soirée. La salle n'est pas totalement remplie jusqu'à présent. Mais il y a assez de monde pour qu'on dise que son soirée réussit. Je ne vais pas m'aventurer à vous donner des chiffres. Là, nous sommes pratiquement en plein milieu de la soirée. Parce que Bidjina Cadillac, pour qu'on finisse, Bidjina Cadillac commençait à jouer. Il était 1h passée, peut-être 1h10, 1h20. Les Bidjina Cadillac montaient sur scène. Ça veut dire que son soirée qui commence avec un pile retard devant le public qui fait le déplacement vraiment très tard. J'avoue que j'avais été inquiet en moment de la durée. Mais là, je pense que les organisateurs de cette soirée et toute l'équipe de l'équipe musique vont mettre satisfait le grand belle soirée devant eux. Est-ce qu'on parle d'une salle qui pack, qui foule? Je ne vais pas parler de rien. Parce que juste pendant que je parle, il y a des gens qui entrent toujours. Pendant que en dehors, pratiquement, on dit rempli, peut-être à 60-70% de capacité, espace. Il y a beaucoup d'espace vide, mais il y a suffisamment de monde, comme je l'ai dit, pour parler d'une soirée réussie. Donc, là, comme je le dis, nous sommes en plein milieu de la soirée. Là, continuez à suivre pour nous voir qui s'appelle Philippe. On attend d'ici quelques minutes l'arrivée de l'équipe sur scène. Il faut signaler également la présence d'un pilatiste qui fait déplacement. Nous avons vu le manager de classe, Hervé Bastien. Nous avons Rodney Noël présent dans la soirée à tout. Nous avons Yaya Mtabouine de Zafem qui est présent. Et nous avons Marco de Barricade Pou qui lance à tout. Donc il y a beaucoup d'artistes qui ont répondu à l'appel pour apporter leur soutien à la formation équipe. Qui pour servir alternative, c'est complexe, n'a pas gardé qui vient ça continue. On se retrouve tout à l'heure. Nous avons une équipe très bonne avec l'album tout qui a marché. La business, nous avons demandé pour tout le monde supporter. Yeah.
Yannick voyait vidéo dans l'équipe sans demander. Yo, ouais, l'équipe te mérite. Yo, ouais, le travail, l'équipe là. Yes, chérie. Yeah. Real Haitian All-Star. Ça pas content! La soirée prend fin, comme je le dis souvent, en toute chose il faut considérer la fin. Ça c'est la phrase magique qui met fin à nos reportages. En compte rendu de cette soirée, je pense que les organisateurs de cette soirée ont toute raison pour y réussir. C'est une superbe soirée, une belle fête avec tous les artistes présents ont été pratiquement à la hauteur de la situation. On bédine avec Cadillac en très bon état de fonctionnement. L'éclair que Jazz a joué en stabilité. L'éclair, ne pas suspendre souligner que et la venue de Ricky Juste au sein de cette formation a tout simplement bonifié le playing de Bédine et de Cadillac et de toute l'équipe. Il faut également souligner et parler de la touche magique de El Magico, sans oublier le guitariste Mauricio qui fait un excellent travail, surtout au niveau de Groovio. Donc après ça, il y a eu DJ Stat qui fait bon travail, je suis un excellent DJ. Et puis, nous parlions sur l'équipe tout à l'heure, on nous dit que son soirée était en pile monde. Je ne vais pas faire des chiffres là, parce que je n'ai aucune idée de la capacité de l'espace. Mais ce qui est certain, c'est un espace, à mon avis, rempli à peu près à 75% ou 80% de capacité. Donc, moi-même, clair, tu as plus qu'un millier de monde là, d'après moi. Et ça, c'est un regard et qui permet de faire une estimation. Un VIP était pratiquement occupé. Les VIP sont à l'étage. Tout VIP est occupé. Moi, je prends précaution pour reporter ça, pour me prendre image pratiquement sous tout angle, histoire de vous donner une idée exacte, précise de l'affluence au cours de cette soirée. Et quand on est arrivé sur l'équipe, l'équipe montée, on s'y en tas. Et soirée a commencé, nous rappelons que Bédine Akadil a commencé pratiquement à 1h13, 1h14. Donc l'équipe vient de monter peut-être, il était 2h passées.
et l'équipe nous a gratifié d'une très bonne performance. Ils ont pratiquement joué en pile musique dans l'album non, et il y a de musique où on sentit qu'ils détachaient plus qu'on l'autre. C'est le cas de ce duo et entre Chaba et Beijing. Ça a été peut-être un moment fort soirée ça. L'entrée en scène sur Steve, de Steve Kay également était assez impressionnant. Monsieur venu avec un chant traditionnel qui pratiquement a parlé de misère Haïti. Je pense que ça a été un moment fort également dans cette soirée. La qualité et de la performance de Steve Kay, rien à redire. Et puis on a pu également apprécier et maturité que dit Perfect commence à prendre sous scène. Monsieur manipule les foules là bien, communication parfaite, présence scénique et ok, rien à redire. Dit Perfect, Steve Kay, bon bagay. Mais obligé de parler de l'équipe, donc l'autre ne pas parler de lui. Quand on a parlé de l'autre point intéressant dans l'équipe, c'est qualité chorale. La qualité chorale là, c'est carrément bon bagay. Et l'équipe prouvait que ou jazz pas obligé de faire la donne pour faire bon choral, contrairement à ça, mon pensée. Si on fait tant mieux, mais c'est pas comme si c'est pas un impératif pour que ou bon travail qu'a fait le choral. Choral que l'équipe là tout simplement impeccable. L'autre fait remarquable l'équipe, c'est bassiste. Je ne connais pas son nom. Chaba dit monsieur qui a 22 ans, monsieur qui a pile maturité, c'est lui qui a 22 ans. Nous avons joué bassiste avec énormément de maturité. Mesdames, messieurs, mélomanes, moi demandez nous prêter attention à bassiste équipe là, monsieur gain talent. Percot là, en pile groove et Kandoudou, monsieur très adroit au niveau accompagnement. Et puis et l'autre guitariste là, monsieur n'est pas celle de présentation également, son excellent guitariste, mais monsieur gain groove, monsieur maîtrise gros cordio en pile, n'a pas parlé de sage. Monsieur gain maîtrise impressionnant de gros cordio, là il dit que ligne cord équipe là sont lignes solides. Ça veut dire que là nous prend bassiste là, nous prend deux guitaristes, c'est vraiment un bagaille intéressant. Et puis pour Bandeya, hein, Chaba, l'équipe beaucoup plus présente au tambour que d'habitude. Je me dis que nous avons un en plein, que je n'ai pas senti présence Chaba suffisamment sur le tambour. L'équipe a senti que un traitement particulier que le bail tambour. Ça veut dire que Bandeya équipe là, son Bandeya qui tight. Son jazz qui a une philosophie compas sérieux. D'ailleurs, il y a un cordio en pile présence. Tout le jazz là, chita sur cordio et puis avec percussion. Donc, moi je trouve que c'était une performance quasi, je ne dirais pas parfait, mais c'était une très bonne performance de l'équipe. Je pense que l'équipe mise en route, l'hypothèse bonne nouvelle, attente ça que l'équipe t'ait fait fanatique Lio et subia. Je pense que les résultats sont là, c'est pratiquement une bonne récolte par rapport à la qualité de la semence. Donc, compliment à toute l'équipe de l'équipe musique. Dans ces conditions-là, et la mentalité actuelle là, avec nous le cap joué et pratiquement et même joie et que l'arrivée fait soirée ça, que gain autant de monde qui fait déplacement, on peut parler quand même d'une grande réussite pour l'équipe qui prouvait qu'il est en train de se placer dans la cour des grands. Donc c'était Pipo Saint-Louis pour Alternative Sans Complexe. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à être présent à cette soirée. Je me suis amusé et j'ai eu beaucoup de satisfaction également sur le plan musical. Et Beijing Cadillac était très bon, DJ a été très bon, équipe prouvait qu'ils sont bons jazz compas qui ont un bel avenir devant. Donc ça c'est marketing là pour faire cela, ça c'est management là pour faire ce travail là, c'est administration qui pour finaliser pour mettre équipe côté que je supposais. Donc bonne chance à toute l'équipe de l'équipe. C'était tout pour ce soir. On se retrouve bientôt pour le prochain reportage de Alternative Sans Complexe. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pipo Saint-Louis.